Bonjour à tous et à toutes. Je viens de découvrir un autre masque pour effacer les taches d'acné, l'acné rebelle. Le genre de grosses taches d'acné qui restent souvent avec la couleur noire, les taches noires d'acné. L'acné franchement sévère, l'acné sévère qui laisse des larges plaques noires sur le visage. Ce matin, le citron revient. Donc vous aurez besoin d'un citron, d'un œuf, mais du blanc d'œuf uniquement cette fois-ci. Et enfin du gel d'aloe vera. Ça c'est... j'ai constaté que c'est assez... c'est très très peu mélangé. Voilà, celui-là. Donc c'est très simple, hein. On récupère d'abord du blanc d'œuf. On récupère notre blanc d'œuf. Avant d'ajouter le citron, on ajoute notre gel. Vous allez constater qu'il est assez, si je zoome là-dessus, c'est presque du pur, hein, du pur gel, très peu mélangé. Voilà. On mélange légèrement avant d'ajouter du citron, on peut commencer à mélanger. On mélange d'abord un tout petit peu avant d'ajouter du citron. Voilà. Quand le gel d'aloe est franchement mélangé au blanc d'œuf, c'est-à-dire quand il ne font qu'un déjà à peu près comme ceci, c'est là qu'on ajoute le citron. Citron entier, hein. On va mettre tout le citron de le jus d'un citron entier. Voilà. Voilà. C'est un soin anti taches d'acné rebelle, hein, les taches noires. Remélanger encore bien. Certains traitements ne vont pas au frigo, mais celui-là, il peut nettement faire. Grâce au gel d'aloe vera, il peut faire 3 jours dans le frigo. Ça s'utilise comme soin avec du coton. Ok, mes chouquettes, quand tu as déjà ton soin comme ça, tu prends le coton, tu appliques. Tu n'essuies pas les taches, tu appliques sur les taches d'acné, les taches noires là. Tu appliques dessus tous les jours jusqu'à ce que ça change, ok? Jusqu'à ce que ces taches-là disparaissent. Ok, mes louloutes? Voilà, c'était tout.